Eh bien, bonjour à tous, c'est Alexandre The Gamer. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur GTA Vice City The Definitive Edition. Le jeu est sorti en 2002 et on va pas faire l'émission parce que vous connaissez le jeu. On va pas faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va juste rouler. On va prendre une voiture au pif. Et ce que j'aime bien, moi, c'est que ils ont fait comme dans l'édition PS2, c'est-à-dire on va prendre le scooter ici, voilà. Et ils ont fait comme dans l'édition PS2. Le seul vice qu'ils auraient pu faire, c'est mettre les flèches directionnelles pour piloter, parce que au stick, moi, je suis vraiment pas précis, quoi. Vous voyez, on fait ce qu'on veut. Je ferai pas l'émission aujourd'hui parce que on les a tous vus en vrai. On a tous fait le jeu. Et voilà. Dans la vidéo, il y aura des petites coupures pour rendre le montage plus vivant. Et voilà. J'espère que la vidéo vous fait plaisir. À l'heure actuelle, je sais pas quand cette vidéo va sortir, mais quand la vidéo va sortir, j'aurai plus mon PC, comme je vous ai dit dans la vidéo Halo. Mon PC a quelques petits problèmes de surchauffe, donc faut que je vois ça. Et puis voilà. Je sais pas si ça vient du GPU ou de l'écran ou du processeur. Ça me fait chier parce que ça fait plusieurs mois que j'ai des soucis. Mon PC est tout neuf. Quand ça marche pas, ça fait chier. Je vous le dis. Et voilà. J'espère que cette vidéo sur GTA vous fait plaisir. J'ai mis mon petit fond vert. J'espère que ça vous fait plaisir aussi. Et voilà. Attendez. Je suis pas. Comment ça se fait que je suis pas. Ah, mais c'est peut-être le jeu qui fait ça. Ah, en fait, il est pas correctement cadré. Je viens de m'apercevoir, mais c'est le jeu qui fait ça, il me semble. Vous avez des petits traits noirs. Je peux peut-être les modifier avec OBS. Mais en vrai, c'est pas bien grave. Vous voyez le principal. Voilà. Pourtant. Moi, j'ai rien touché au niveau du Elgato. Ça fonctionnait toujours ainsi. La dernière fois que j'ai fait une vidéo sur console, ça n'a pas fait ça sur FIFA. Ça doit être le jeu qui fait ça. Il est sorti en octobre 2002. Moi, je l'ai connu dans des circonstances que je dirais pas ici, mais enfin, mon cousin était là. J'ai été jusqu'en Belgique pour chercher le jeu parce que à l'époque où mon cousin est venu, j'avais quoi 10 ans et demi à l'époque et j'étais en vacances. Ma petite montre qui vient de sonner. C'est pas grave. Voilà, ça me rappelle plein de souvenirs et niveau graphique, j'ai entendu le scandale qui peut être fait sur PC, etc. Oui, c'est scandaleux, mais faut espérer pour eux que ça rentre dans l'ordre. Et on peut clairement s'inquiéter pour GTA 6, ouais, très clairement. On peut très clairement s'inquiéter pour l'avenir du GTA 6. Il n'y a pas de route ici, c'est vrai. J'avais oublié. On est reparti. Ah, j'ai des petits frises quand je bouge. Je sais pas pourquoi. J'espère que ça les fera pas dans la vidéo parce que sinon, voilà. Ouais. Non, j'ai pris cette trilogie parce que j'en avais envie. Et puis, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Voilà. C'est top. Maintenant, est-ce que je ferai
les GTA en vidéo. Très honnêtement, je ne pense pas. Parce que tout le monde les a fait. Et tout le monde. Je préfère les refaire pour moi, je vous cache pas. Plutôt que de les faire en vidéo. La ville est quand même assez grande. Alors, pour moi, ce GTA a une saveur particulière parce que ben c'est mon premier GTA. Et voilà. Donc voilà. Bon. Ben. J'espère que la vidéo vous plaira. J'essaierai de faire un petit montage. Voilà. Donc, c'est vraiment cool de se retomber en enfance, etc. Donc, voilà. Je suis très content. Je regrette pas d'avoir payé 60 euros. Oh là, il y a les flics. Faut que je me casse. Putain. Il y a les flics. Faut que je me casse. Vite, vite, vite. Ah. Dites-moi qu'il y a une route ici. Je vais rechercher. Merde, merde, merde. Ah, putain, c'est fermé. Non. Ah, c'est fermé, mon Dieu. C'est fermé, au secours. Ah, il est plus là. Il est plus là, je l'ai échappé au flic. Je trouve qu'ils sont. Oh, alors, vous voyez, le fait que je conduise autistique, j'ai beaucoup de mal. Pourtant, je suis avec la manette de David, mais. Oh putain la petite. Hop. Oh, mais vas-y, défoncez-moi. Je vous dis rien. Hop là. Bon ben je crois que on va s'arrêter là. Oh là, je suis tombé. Oh là là. Bon bah on va prendre Viens, une toi. bagnole. Viens, viens. Viens, viens, toi. Viens. Viens que. Ah merde, il y a les flics à côté de là. Je vais pas la prendre. Casse-toi. Bon, écoutez, on va essayer de retrouver une voiture. Et dès que j'ai trouvé une voiture, je Et je reviens vers te vous. prends, toi. Toi, je te prends. Allez, viens. Tu dégages. Je te prends. Alors, comment ça se conduit, les camions? Les potes, j'ai jamais conduit ça. Hop. Ah, ça se conduit bien en vrai. On voit. Bon, bah, c'était tout ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo. C'était un peu un retour vers l'époque. Et puis, bah, nous, on se dit à la prochaine, les gars. Salut!